à peu près désert, il y a quelques voitures une fois par-ci, une fois par-là, voilà. Aïe, c'est tous ces colocs là. Donc voilà, aujourd'hui on va marcher, je sais pas où, quand. Bah on est lundi déjà, lundi 8 février. Le 7 c'était hier. Il est 6h50 du matin, je suis pas sûr, ouais. 6h53. Comment vous dire que là je pars, je laisse mes pieds le diriger. Je sais pas où je vais. C'est ça le problème. Je sais pas où je vais. Et ça c'est un truc qui me pose souvent problème. Mais surtout là, parce qu'en fait, j'avais prévu d'aller à Mouchane et tout, mais je fais non, c'est bon. Aujourd'hui, on part pour un minimum de 25 km. Donc comme dedans, j'entends pas Mouchane, vu que dedans, il n'y aura pas le Mouchane, je sais pas comment je vais faire mes 25. On verra. Je sais pas où je vais. Mais j'y vais. Après, voilà, là, il va pas pleuvoir aujourd'hui. À partir de cette semaine, donc aujourd'hui, les températures, bah pas aujourd'hui, mais dans la semaine, vont être moins 7. Les gars, je vous dis, hein, ça va être chaud, hein, quand tu vas faire moins 7. Bon, là, ça va, mais j'ai déjà froid. C'est ça que je fais. Mais quand je dis j'ai froid, là, je caille. J'ai pas de bonnet, parce que quand j'étais chez mon père ce week-end, j'ai oublié de prendre le bonnet chez moi, du coup, bah, il est chez moi. Et j'ai pas de gants non plus. Et là, frère, franchement, waouh. Oui, j'ai encore le gilet jaune, parce que actuellement, voilà, on est dans le noir. Il y a des choses tellement bizarres. Non, c'est bon, il a arrêté de me suivre. Bon, ça se trouve, il ne me suivait pas, mais c'était pas les... Surtout de où je sortais, du quartier d'où je sortais. Des fois, c'est bizarre. Donc voilà. Bon, bah, je vous laisse et sur ça, bonne vidéo. J'ai regardé la météo avant de partir de chez moi. J'ai vu qu'il annonçait 0 puis 0 rien. Bon là vous diriez pas trop, mais il commence un peu à pleuvoir en fait. Le ciel est bien rouge. ouais, ça commence bien, on va voir ce qu'on peut faire, mais bon je pense que c'est la retombée de la nuit comme d'hab. Voilà quoi. Et si ça se calme pas, bah après ça va, là c'est pas trop, voilà quoi. Et vu que maintenant j'ai une nouvelle vitre pour le téléphone, celle-là elle est moins sensible avec les gouttes d'eau, donc ça ne gêne pas. Donc voilà. C'était l'anecdote de Coolox Lol, voilà. Donc les gars là, ça fait bientôt, bah, ça fait une heure qu'on marche, il est 7h49. Et voilà, on a fait 6 km en 56 minutes, ça y est, 6 km 30 bien sûr. Voilà quoi. Les gars, on est bons. Hein. On est des bons. On est des meilleurs. Non, en vrai, les gars, j'ai géré aujourd'hui. Mais j'ai vu le frère Tic. J'ai vu Tac. Vous voyez Tic et Tac, c'est les écureuils de Disney. Et ben moi je les ai trouvés, j'ai vu Tac qui était en train de courir. Je suis wesh Tac. En fait j'avais pas vu de base, mais bonjour. De base je l'avais pas vu, j'avais vu l'écureuil, j'ai fait ouais ça fait Tic et Tac. J'ai encore mon enfance dans mon cerveau, hein, c'est normal, attendez, je vais avoir 17 au mois de juin. Donc ouais j'ai vu Tac. Du coup voilà, j'ai juste envie de dire de la daube de qualité. Donc voilà, c'est bien. On marche. Bon les gars, je vais vous laisser. C'était. Bah non, je vais pas vous laisser parce que je vais continuer de marcher. C'est ça que je vais vous laisser. Bon allez, bye. Donc les gars, en début de vidéo, il y aura quelques passages caméra avec cette caméra là. Ou avant que ce soit sur la chaîne de la Cali Golf, on va voir. Par contre, ce matin, quand je vous ai dit qu'il pleuvait au début de la vidéo, en fait il pleuvait pas, parce qu'en fait là je vois toutes les voitures, ils sont pleines de neige. Bah pleines de neige, peut-être pas, mais pas mal de blanc, et le blanc c'est quoi? C'est de la neige. Et en fait, bah c'est ça qui est tombé ce matin, moi je me demandais, mais ouais. Mais en fait je sais c'est quoi maintenant, j'ai trouvé. Attends, mais il y a 2 secondes j'étais dans cette rue. Je vous l'ai dit, j'étais paumé les gars, je vous l'ai dit. Donc voilà l'équipe, là je suis à Saint-Fernin, et bah, je viens d'arriver pour repartir, parce que je vous explique. Là, bon, ça neige, des fois, ça tombe d'un coup, il y a beaucoup de trucs. Et voilà, mais en fait, c'est pas ça, mais après, je pense que ça va se transformer en pluie, parce que là, ça tient pas. Bon, après, c'est normal, vu la pluie qu'il y a eu ces derniers temps. Mais c'est pas ça. Il faut que je revienne par le bois, comment? Par le bois des cons, après, je fais le tour de tout le parc. Donc, après, là, je pense qu'à large des 25 km, ou 20, hein, 20, 25, moi, ça me va aujourd'hui. Ça fera mon petit quota. Dans la semaine, on va soit la semaine là, soit la semaine prochaine. Il faut peut-être qu'on tente quand même nos 40 km. Hein. Mon chalin Saint-Fernin. Hein.
Ah bah les gars, faut que je vous les lis, hein, faut tenter. Hein. Mais je sais pas si je commence par Saint-Fernand ou Montchalin. Sachant que Saint-Fernand, 6h du matin, 6h15, bon, je pars à 6h15 on va dire. Et je vais arriver là vers un peu avant 7h. Comment dire qu'il fait tellement noir que c'est assez dangereux. Alors que pour aller à Montchalin, c'est moins dangereux. Il y a moins de voitures, moins de circulation. Parce que là, regardez, là, surtout quand je dois marcher dans le sens des voitures et pas en sens inverse, malheureusement, à cause de. Bah, à cause qu'en fait, de l'autre côté, c'est tellement étroit qu'on peut pas. Ah, qu'est-ce qu'on essaie au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Au fond de cette boîte, il y a les sardines qui dansent, qui dansent. J'ai oublié les paroles. N'oubliez pas les paroles. Moi je suis là en attendant que les voitures fassent des bonbons de chansons de chaque marche. On est au gamet et on se barre des gamets. On est sorti de gamet, on est sorti de où? On est sorti de gamet pour aller au comble. Pour aller au con, on va aller marcher. Marchons, marchons, car je connais pas la suite, ou pas moi. On est là, toute la journée, on est là. Marche, c'est ma passion, c'est ma passion. Ouais, check, regarde-moi, moi, je suis cool, vox, lol. Moi, c'est ma passion, Bastien, moi, c'est. On est là. La vie est là. Et moi, j'ai 16 ans. On m'a dit, j'aurais 17. Quand je vous dis que j'ai 16. Moi, je suis le BG de la cité. On m'appelle Coulox au lycée. Avant, on m'appelait par mon nom de famille. Ça, c'était au collège. Et maintenant, bah, c'est Coulox. J'ai l'impression, en fait, Coulox. Vraiment, les gars, j'ai l'impression un truc. Que je suis en train de penser. En fait, au collège, on m'appelait par mon nom de famille. Parce qu'il y avait un autre Bastien au collège, et du coup, voilà. Et du coup, moi, on m'appelait pas par mon prénom, on m'appelait par mon nom de famille. Je le dirai pas, bien sûr, bah, pas en vidéo. Et maintenant, au lycée, ça a vraiment changé. On m'appelle Coolox. Et si on y va depuis la primaire maternelle, en fait, ce même Bastien qui était dans mon collège était aussi avec moi en maternelle et en primaire. Et en fait, du coup, bah, t'avais Bastien L. Et Bastien, bon, je vais pas dire sa première lettre, moi je lui dis, voilà, Bastien L, c'était moi. Et après, je suis passé en une famille. Et après, là je disais, il n'y a pas d'autre Bastien, à mes connaissances, bien sûr. Et en fait, on m'appelle Coolox depuis qu'on a appris que j'ai ma chaîne YouTube. Dans la classe, on m'appelle Coolox. Moi, au lycée, je suis arrivé avec 250 abos. En une semaine, je suis passé à 310 abos parce qu'on avait fait une cube. Et du coup, ça a monté d'un coup. Franchement, j'ai pas compris. Je sais c'est qui a fait la cube et je suis waouh. Franchement, c'est monté d'un coup. Mais là, ça monte plus. Là, mais si, en fait, en ce moment, ça commence à monter. Je sais pas comment c'est possible. Sur beaucoup de vidéos, sur plusieurs vidéos, je vois c'est grâce à lui, parce qu'il pub des chaînes, mais je vois pub sur son Insta, parce que personnellement, moi, je vois rien sur sa chaîne YouTube en tant qu'il pub et tout. Et vu que Insta j'y vais, mais j'y vais que pour faire mes posts, pour voilà quoi. La vie. Ah, j'ai pas encore pris de photos de paysage. J'entraîne parce que voilà. Bonjour monsieur, bonjour, non bonjour, non j'ai dit bonjour, j'ai pas dit bouffe. Vas-y les gars, les chiens, s'ils pouvaient me comprendre, hein. De toute façon ils me comprennent. Oh, il y a un deuxième chien, bonjour madame. Oh, bah, ouais, par contre, je sais pas si c'est une chienne, mais elle avait l'air de ressembler à une chienne. Franchement, elle a pas aboyé, voilà, c'est bien. Bon les gars, ouais, je vais bientôt arrêter, parce que là je suis à 17 km, bon, j'avais dit 25, mais c'est pas grave. Non, on marche un peu comme ça. Oh, il y a des jours où on peut faire 17, il y a des jours où on peut faire 25. Voilà quoi. C'est... De toute façon, quand je ferai mon 40 km, donc je pense que ça va être cette semaine, vu comment là j'ai fait, vu que j'ai fait 20 km, bah 17, mais 17, 18, 20, c'est pareil. Bah c'est pas pareil, mais bon.
Non, franchement, on marche bien. Moi, je m'amuse avec ma petite caméra, je m'arrête, je voilà quoi. Je peux même filmer ma sale tête à travers. Ouais, bon, bref. Après, ça donne une qualité dégueulasse. Déjà que je suis obligé de filmer en 1080p 60, alors que ma caméra a de la 4K. Même mon téléphone, quand je mets des vidéos en 4K dessus, je comprends pas. Parce que mon téléphone refuse de lire la vidéo. Même mon logiciel de montage. Non, ouais, mon logiciel de montage refuse. Alors que si je mets, par exemple, par contre, je peux publier des vidéos 4K depuis mon téléphone. Sur mon logiciel de montage, je peux mettre en 4K 60 fps. Mais ma caméra, il marque que les vidéos sont pas, peuvent pas être lues. Pourtant, c'est du MP4, format MP4, 4K 60, c'est bizarre. Donc voilà. Mais je crois, là, on va refaire un petit, petite vidéo avec la caméra, là, en passant devant et tout. Vous verrez sur la chaîne de la Cahutol, donc la chaîne d'Oxelec, la chaîne de la Cahutol, c'est la chaîne de Suifo en description, bien sûr. Donc voilà. Bon, les gars, il se peut que du coup, j'ai envie de rallonger mon tour de 2 km. J'ai entendu 18, ça m'a motivé à faire 20. Donc, go faire 20, hein. Soyons fous. Eh, oh, soyons fous. Attends, ça fait combien d'heures qu'on marche? 3h4 minutes pour un. Oui, si. 3h4 minutes pour 18 km. Vraiment pas mal, hein. Avec la petite caméra, voilà. Je vais pas vous mettre le lien de la caméra dans la description parce que j'en sais rien. Franchement, je sais plus c'est quel site que j'avais trouvé la caméra. Voilà. Ouayaya. Franchement, vous allez dire, mais il porte jamais son masque lui. En fait, je le porte. Mais quand je suis tout seul là, par exemple, dans les bois comme là, franchement, voilà. Bon, dans les bois, je sais pas si on appelle ça des bois à côté des rails. À côté du rail du petit train. Du parc des cons. Yeah, yeah. La 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 la. Ok. Non mais les gars, je vais plus aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais voilà, je fais beaucoup de plans caméra. Bah beaucoup. J'ai dû en faire 3-4 de plans caméra avec ça. Après, si j'ai fait des plans de vue. Si des vues, j'ai fait des petites vues comme ça. Mais des plans où je marchais. Vous me voyez passer, en vrai je sais pas si ça a marché, faudrait que je regarde les vidéos quand je serai chez moi pour voir si, bah, si ça a marché quoi. Après voilà, bon, par contre les gars, j'ai un gros problème avec ma caméra. Je peux la connecter au téléphone, il n'y a pas de problème. Mais en fait j'ai un problème. C'est que en fait quand je veux télécharger les photos de ma caméra, ça, l'application en fait elle est buggée. J'ai vu plein de commentaires voilà, qui disent que c'est pourri et tout, mais je pense que je vais faire moi, c'est y apprendre à chaque fois sur mon PC pour envoyer, pour retransférer au tel, ou même au pire je branche le tel et la caméra au PC vu que c'est pas comment, vu que c'est deux ports différents. Et ouais, ouais je sais pas, ah c'est à voir, en vrai c'est à voir. C'est marqué radio PN1 à 230 mètres. Franchement, quand j'étais en stage au parc des cons, j'ai jamais pensé à poser cette question. Mais du coup, je sais pas à quoi c'est. Ouais. Bon, les gars, là, on est au château de la Verrie. Donc, voilà, là, je suis à 20 km. En fait, j'ai pas compris quand je suis passé à 20 km. Je pense qu'il doit y avoir un défi en ce moment parce que j'ai entendu le go, 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 go. Et j'ai pas compris le bail. Du coup, les gars, je suis content. J'ai fait 20 km devant le beau château de la Verrerie. Voilà. Bon bah je vais vous laisser, je vous reprendrai à la fin quoi. Donc les gars, c'était cool l'Oxolol, on finit sur un petit 21 km et bye.